l'ignorance, l'incapacité d'aller au sommet arrive dans la vie des gens qui n'aiment pas lire. Si tu veux être un bon leader, tu dois beaucoup lire, tu dois apprendre, tu dois avoir des connaissances sur beaucoup de sujets. Si tu es paresseux intellectuellement, tu ne veux pas apprendre. Dieu a beau prononcer, tu seras à la tête. Tu ressembles à un homme à qui on a dit, tu as la capacité d'être fécond, mais qui refuse de dormir avec sa femme. Tu ne peux pas avoir le bébé, tu ne peux pas être à la tête. Quand tu vois une personne de génération en génération dans la famille, tout le monde est pauvre. Les gens sont en dessous. Je t'assure, tu vas voir que dans la famille, là, ils n'aiment pas beaucoup lire. Quand tu vois, ils regardent la télévision. Ils sont toujours dans les films qui ne leur apportent rien. Télénovelas. Non, mais attendez, dis-moi, ça là, c'est du divertissement. Ça ne va pas t'emmener quelque part. Ça ne produit que des excitations, mais ça ne propulse pas au sommet. Quand vous voyez quelqu'un qui va régner, vous observez, vous le voyez s'asseoir devant la télé. Vous allez voir qu'il sera sur les trucs comme Science et Vie, Planète. Et quand tu vois quelqu'un qui ne va pas aller au sommet, malgré qu'il a fini de chanter à l'église, je suis à la tête et non à la queue. Quand il arrive, il allume la télévision. Novelas, film. Et quand quelqu'un vient zapper pour aller mettre sur un documentaire qui va le former, il s'élève. Il faut s'occuper de la maison. Ma soeur, tant que tu te comporteras ainsi, tu ne vas pas aller au sommet. Tu ne peux pas avoir une garde-robe qui dépasse ta bibliothèque. Alléluia. Apparemment, tu es en pleine lecture là. Ben oui, il faut se cultiver tout le temps.